drugim nigdzie nic nie słyszę. Na trzecim też nie. Jest zupełna cisza. Czyli jest zupełna cisza, tak? No dobra, okej. Dobra. Nie, absolutnie nie. Dobra. No, mam nadzieję, że jest okej. Dobra. No to na razie. Est-ce que vous m'entendez? J'ai juste voulu vérifier si tout le monde m'entendait bien. Oui, c'est parfait. On attend le début de la session. Est-ce que tout le monde m'entend bien maintenant aujourd'hui? Oui, tout le monde m'entend. Merci beaucoup. Oui, tout le monde m'entend très bien. Excusez-moi pour l'image que je diffuse maintenant. Eh bien, il n'y a pas d'image en fait parce que, bon, ce n'est pas la localisation qui est la plus importante. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être venu à la session. Il s'agit de la gestion de l'Internet et de bonnes pratiques, nos expériences résultant de la situation liée au COVID-19. Je m'appelle Gabriela Rosano et je suis chercheuse au Cape Town, à la République, à la RSA. J'ai participé à la création de plusieurs institutions liées à ce domaine. À la République de la République du Sud. Donc, nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Je voudrais juste brièvement vous dire comment cette session serait organisée. Elle serait divisée en deux parties. Trois intervenants dans chaque partie de cette session. Et chacun, il y aura cinq minutes. Il y aura là aussi la possibilité de poser des questions entre les interventions. Ensuite, après chaque session, 7 minutes de questions-réponses. Chaque session sera dédiée à aux expériences de développement de technologies lors de la pandémie. Et quelles sont les implications sur les droits de l'homme? Il y a une situation à deux parties qui sera dédiée aux chances et aux opportunités, aux menaces liées à la situation pandémique. Je vais me présenter. Chaque intervenant avant son intervention, en tenant compte de nos contraintes temporaires. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter l'agenda de la réunion d'aujourd'hui. Dans plusieurs endroits du monde, la technologie sont appliquées à travers de méthodes différentes. Il y a des niveaux différents d'intervention qui ont été observés dans le monde entier. Nous avons des méthodes différentes pour notre travail en ligne et offline. Donc, ce qui résulte de cette activité, ce sont les questions liées à la conformité à la loi et à l'échelle des actions qui sont entreprises dans ce domaine. Il faut aussi prendre en compte le contexte économique. Quelque chose qui vient de la technologie, mais quelque chose qui résulte très clairement de la technologie, c'est la question qui est liée à l'élargissement de l'utilisation des données dans ces nouvelles technologies, parce qu'une nouvelle technologie requiert de plus en plus de données, elles sont alimentées par de plus en plus de données, et ceci a un impact sur la gestion des données. Je pense que COVID-19 est un élément qui a accéléré considérablement ces activités que je viens de mentionner. Donc, il faut dire que
que tout se développe beaucoup plus rapidement que dans le passé. Et ça va se développer d'ailleurs encore plus. Partant de mon propre contexte, de la République d'Afrique du Sud, j'ai observé plusieurs tentatives de réalisation d'initiatives basées sur les données en réponse à la situation liée au COVID-19. Mais il y a des problèmes à trouver des solutions d'en bas au niveau national, ce qui signifie que nos solutions ne tiennent pas en compte de façon appropriée des inégalités numériques, la fracture numérique. D'autres questions de contexte que nous prenons en compte dans le contexte de la pandémie, vu les inégalités sociales, justement, c'est ça qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que COVID nous pose non seulement que nous avons une gestion de données inappropriée, des cadres inappropriés dans ce domaine, et nous sommes ici conscients que ce type de fracture est lié à la troisième révolution. Mais ce que nous observons aussi, c'est que implique la politique d'innovation, et c'est ça qui doit être repensé pour l'avenir, pour voir quelle opinion devrait se faire. C'est ça qui est important et intéressant à voir dans le contexte de l'avenir. En passant maintenant en réflexion contextuelle, je voudrais souligner que la première partie de notre segment est liée aux expériences utiles que l'on pourrait partager dans le contexte de la garantie de la vie privée dans le domaine de la lutte contre la pandémie. Robin Green, c'est notre premier intervenant. Robin Green s'occupe de la politique de la vie privée chez Facebook. Il s'occupe du travail sur la sécurité des données. Avant de travailler chez Facebook, elle a travaillé à l'Institut et dans une association liée aux libertés fondamentales. On est occupé de la sécurité des données. Donner la parole à Robin en soulignant que, avant d'arriver à la quatrième minute de l'intervention, je vais lever ma main. J'espère que tout le monde va le voir. Merci beaucoup, Robin. Merci. Merci de m'avoir invité à faire cette présentation aujourd'hui, de participer à cette session. COVID nous a montré que ce qui est le plus important maintenant que par le passé, c'est de garantir encore plus la sécurité sur Internet. Il y a beaucoup de menaces, notamment sur Facebook. Il y a cette ouverture de données, le partage de données d'informations. Donc, il faut créer un environnement qui pourrait garantir le développement économique et aussi la liberté d'expression, tout en créant un monde plus connecté. Les sessions comme aujourd'hui ont une grande importance pour la réalisation de cette tâche. Concrètement, en tenant compte de la situation du COVID, nous avons à faire des actions, des activités très importantes. Ici, avec nos sociétés, nous avons la possibilité d'engager les personnes les plus concernées dans ces domaines. La priorité est comment nouer les contacts avec les personnes proches, comment lutter contre les fake news, comment soutenir le service de la santé et tout faire pour que les gens soient bien informés sur COVID-19, pour que les informations soient viables, assurer un financement pour la coopération entre le gouvernement et le monde des affaires, prévoir le développement de cette maladie grâce à des cartes dédiées. Lorsque le monde lutte contre COVID-19, les sociétés en ressentent les conséquences. Donc, il faut très bien comprendre quelle est la mobilisation par rapport au développement de la maladie. Ce que nous avons vu, c'est que de meilleures données permettent mieux au gouvernement d'allouer leurs ressources, par exemple les respirateurs ou autres équipements médicaux ou de protection personnelle. Ce type de données n'est pas facile à obtenir.
obtenir ce genre de données au niveau international a une grande importance, mais grâce à l'aide de beaucoup de personnes, nous avons réussi à aider les chercheurs et les médecins notamment. Donc, clairement, je voudrais le souligner, et c'est que le soutien à cet effort ne devrait pas être lié à l'empreinte à la vie privée, parce que la vie privée est primordiale. C'est quelque chose qui est un sujet qui domine le débat public, et nous nous concentrons sur justement la résolution de problèmes liés à la vie privée et dédier des ressources appropriées aux chercheurs et aux services de la santé pour qu'ils disposent de données nécessaire et qu'on puisse bien gérer la sécurité des données des gens et leur vie privée. Le partage des informations identifiant les personnes concernées, ce n'est pas une réponse à cette question. Nous voulons tout le temps, comme nous l'avons fait avant COVID d'ailleurs, de agir selon les mêmes règles, mais en même temps savoir comment mieux utiliser les données agrégées qui pourrait nous permettre d'éviter des personnes privées. Nos cadres sont adoptés pour effectivement garantir nos obligations concernant la réponse la meilleure possible à la pandémie pour bien protéger à la fois la vie privée des personnes. Nos actions sont réalisées selon des conseils d'experts. Nous avons vu un engagement actif des parties intéressées telles que les experts de la santé publique et les experts des droits de l'homme et de la vie privée. En même temps, ce qui est très important pour nous, c'est l'efficacité de notre action, parce que l'on ne peut pas agir de façon inappropriée. Notre initiative a toujours été réalisée en partenariat ou en coopération avec le service de santé ou les départements des ministères concernés. Nous voulons que ce soit en ligne avec les stratégies de santé de tous les pays. Le consentement bénévole, toutes les initiatives sont basées sur cette règle de collecte de données volontaire. C'est un élément crucial, parce qu'il est très important à ce qu'on soit transparent dans notre activité pour lutter en luttant contre COVID collectant des données. Donc, et la troisième partie, c'est la minimisation de données collectées, rassemblées. Nous les rassemblons, donc nous rassemblons le nombre le moindre possible de données pour réaliser la stratégie de lutte contre COVID-19. Et encore une autre priorité, c'est bien sûr les droits de l'homme. Nous faisons tout de notre mieux pour agir de façon appropriée. Et nous agissons seulement lorsque nous savons que nous pouvons atténuer certains phénomènes en protégeant les droits de l'homme. Nous consultons les experts et les experts dans le domaine, notamment des droits de l'homme. Nous avons fait un grand effort. Grâce à cela, nous avons pu bien réagir à la pandémie, bien utiliser toutes les données des personnes concernées, pour mieux leur permettre de traverser cette période très spécifique et assurer une réponse appropriée. Nous sommes vraiment fiers de notre travail. Merci. Merci, Robin. Maintenant, Gonzalo Sosan, directeur des sciences sociales. Il s'occupe des questions liées à la GIS. Il est manager pour la protection des données. À part cela, il est conférencier à l'université à Montevideo et aussi à l'université de Uruguay. Il a travaillé dans le bureau fiscal et aussi dans le bureau de la budgétisation. Merci, Gabriel. Merci.
aussi de m'avoir invité. Je suis vraiment très contente de pouvoir participer à cette rencontre. Je vais essayer de faire bref, hein, vu les restrictions qui ont été mises en place. Nous savons très bien que nous sommes tous responsables pour tout ce qui se passe maintenant, pour ce qui concerne le droit de l'homme, pour la législation. Il est très important, par exemple, pour tout ce qui concerne la Cour de justice. Il y a donc de nouveaux défis qui apparaissent, qui sont liés à la pandémie, mais il faut aussi les traiter du point de vue du droit de l'homme, mais aussi comment nous allons donc remplir nos obligations internationales. La Commission américaine des droits de l'homme recommande de faire en sorte que les restrictions concernant le droit de l'homme soient redéfinies et que ce soit fait au prorata de tâches qui nous incombent. Le gouvernement de notre pays réalise un programme avec différentes institutions publiques qui sont engagées, avec l'Agence pour le développement numérique, et il y a aussi les promoteurs privés qui sont impliqués. Nous sommes l'un des premiers pays à avoir engagé le secteur privé et public. Donc, il y a le ministère de la Santé et aussi les agences pour le développement numérique. Ensuite à tout cela, il y avait donc le concept de la liberté responsable qui a été introduite. Ce concept est tout à fait volontaire, bénévole. C'est un programme qui est réalisé conformément au principe du gouvernement de notre pays pour garantir la politique garantissant la protection des données et les standards de sécurité. Cette application entre en vigueur selon la règle que le traitement des données sensibles dans le contexte de la catastrophe naturelle doit être réalisé aussi selon les règles de droit, conformément au principe du respect de droit et aussi la protection des données. La coopération entre le gouvernement et le secteur privé a donné lieu à la création d'un groupe de travail et nécessite aussi de lancer certaines actions qui sont liées à certaines données recueillies auprès des institutions publiques et privées. Et on essaye de faire en sorte que les intérêts des différents groupes soient respectés. Et aussi, on prend en compte donc différentes règles, comme par exemple les régimes sanitaires ou d'autres autorisations qui sont requises. Certaines garanties et certaines conditions sont établies basées sur les régulations que je viens de mentionner. Il est difficile d'assurer la sécurité de l'environnement lorsque différents organismes peuvent traiter différentes données, mais tout cela concerne les informations personnelles et non personnelles. Maintenant, pour le cadre éthique, il y a donc des normes légales qui sont mises en place. Et ce cadre éthique est mis en place pour être suffisamment clair et pour servir d'un exemple conforme à la déclaration qui pourrait servir aussi dans d'autres domaines, comme par exemple l'accès, le circuit d'information, le droit de l'homme, la vie privée, la sécurité des données. À part cela, nous avons des standards communs dans toutes ces analyses. Lorsque nous avons affaire à des données personnelles, il est nécessaire d'analyser les données avant de les recueillir pour assurer la transparence, et aussi nous devons définir les rôles des différentes parties et aussi prévoir les actions en matière de sécurité. Bien sûr, pour faire le point maintenant, il est aussi très important d'assurer une bonne confidentialité. Donc, les cadres que nous créons garantissent le contrôle de système de traitement pour assurer la confidentialité. Aussi, nous avons un fonctionnaire qui en est responsable. Nous avons défini de façon claire toutes les règles concernant la protection des données.
Il faut donc prévoir les obligations du côté du gouvernement en matière du traitement. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci, Gonzalo. Et maintenant, je donne la parole à la personne suivante. Donc, c'est Carmela Troncoso, qui est professeure en Suisse. Elle aussi, elle travaille dans tout ce qui concerne l'ingénierie à la vie privée. Il est important de comprendre l'impact de technologie sur la société, sur la population. Elle veut créer un système de traçabilité de la vie privée de façon décentralisée. Et elle est... Voilà. Et merci de m'avoir donné la parole. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis... Ici, personnellement, je me prononce en mon nom personnel, je ne parle pas au nom du gouvernement suisse ou au nom de Google. Donc, l'application qui suit les contacts, qui assure la traçabilité des contacts, c'était la réponse à un besoin qui est apparu, qui est lié à l'apparition de COVID. Nous savons que c'est nécessaire pour stopper l'épidémie et la décision a été prise d'engager la technologie qui peut être utile. Nous avons ici besoin d'un capteur, et c'est le capteur que nous avons tous dans nos proches. Et il s'agit aussi d'un certain fossé technologique qui existe, donc de le remplir. Et il y a donc énormément de données qui peuvent être concernées. Nous parlons ici de la question de la vie privée, mais lorsque nous parlons de la technologie qui traite les données, c'est un grand potentiel pour de fraude. La vie privée, c'est un objectif, mais c'est aussi un moyen pour protéger la démocratie et la population. Auprès des scientifiques, auprès de chercheurs, nous avons donc essayé de faire en sorte que le système que nous allons créer pour suivre les contacts soit le meilleur possible. Nous n'allons pas donc défendre la vie privée d'un utilisateur, nous voulons donc protéger le monde contre le danger qui n'a pas existé avant. Et puisque chaque citoyen en Europe ou en Suisse, nous allons donc, il sera demandé de mettre un capteur dans sa poche. L'application de Google vraiment prend très au sérieux la question de la vie privée. Et ce qui est très important, c'est de limiter le projet vu le contexte et l'objectif que nous visons. C'est lié à la protection des données. Le protocole que nous construisons garantit que les informations sont inutiles pour les autres objectifs. Et bien sûr, il y avait donc des sujets liés à l'anonymisation, l'agrégation et d'autres questions que nous ne connaissons pas profondément et nous ne savons pas à quoi ils peuvent servir. Ce qui était important, c'est de ne pas créer de nouveaux problèmes. La technologie est formidable, mais si nous l'utilisons mal, elle peut créer des problèmes. Nous voyons déjà des preuves que, effectivement, il y a des choses qui peuvent être utiles. Ce n'est pas très répandu vu certaines restrictions, limitations qui sont appliquées. Nous voyons que la technologie n'est pas toujours performante, que le système n'est pas tout à fait préparé. Dans différents pays, nous voyons des problèmes et le système de santé ne sont pas toujours prêts à soutenir cette application. Cela est aussi important du point de vue de la gestion des données. Donc, avant de se lancer dans différents pays, avant de leur donner la technologie, il faut les aider à créer les infrastructures nécessaires. Donc, il faut recueillir les données, il faut donner il ne faut pas donner de nouveaux programmes sans résoudre les problèmes précédents. Lorsque nous voulons développer ce système, nous ne pouvons pas oublier la question de la responsabilité. Nous avons donc pris la décision que nous allons créer cela comme application Google. Nous avons donc de nouveaux infrastructures pour traiter les données et aussi la puissance liée à la
création de cette structure. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Merci, Carmel. Et maintenant, pour faire le point sur cette partie et pour passer à la session, à la deuxième session, il y a différentes questions qui ont été posées, qui concernent différents aspects. Donc, je m'adresse maintenant aux participants, que chacun de panélistes réponde à deux questions. La première question à Robin Green. Le docteur Asha Abdullah, est-ce que vous pouvez poser cette question? Je lis la question, voilà, c'est comme vous voulez. Très bien, donc Robin, ma question est liée au programme Data for Good, donc les données pour le bien, cette initiative réalisée par le Facebook. Est-ce que nous pouvons avoir plus d'informations parce qu'il y a de craintes que le programme risque de recueillir plus de données que c'est nécessaire pour lutter contre la pandémie? Il s'agit donc de certains doutes que, par exemple, les gens peuvent éditer ou effacer des données qui ont été postées par d'autres utilisateurs. Donc, est-ce que nous pouvons en savoir un plus? Qu'est-ce qui se passe avec ces données à l'étape suivante lorsque le programme arrivera à sa fin? Merci. Merci. C'est vrai, ce sont des questions très importantes. Nous savons que l'une des choses essentielles que nous savons sur Data for Good, c'est que ce n'est pas la réponse concrète sur le COVID et uniquement sur le COVID. Nous savons que d'autres fournisseurs de technologies dans le passé cherchaient aussi de possibilités, comment agréger les données et comment identifier les données qui pourraient être utilisées pour le bien de la population. Pour la première fois, cela a été utilisé pendant la pandémie, mais Data for Good existe depuis quelques années déjà. C'est une solution qui fait partie d'une réponse critique à des catastrophes naturelles et aussi pendant les recherches qui visent à protéger la vie privée et qui permettent aussi aux gens de comprendre comment, par exemple, les petites sociétés ont un succès dans certaines localisations comme par exemple, lorsqu'il y a des ouragans ou des inondations ou lorsque l'épidémie est apparue. Je pense que c'est l'épidémie d'Ebola en Afrique. Nous avons essayé d'utiliser ces données pour pouvoir réagir rapidement. Donc, une partie de notre programme Data for Good offre des cartographies qui sont utilisées par des chercheurs pour comprendre la crise des coronavirus et aussi est liée à des interventions pour protéger la vie privée de citoyens. Grâce à ces données agrégées, nous pouvons donc limiter l'impact de la maladie et aussi voir combien les différents médicaments sont efficaces. Les chercheurs ont utilisé ces données pour prendre des décisions tout à fait conscientes. Et à Taïwan, ils ont aussi pu identifier le lieu à un risque élevé. Et aussi, on a analysé l'impact sur les inégalités. L'inégalité, par exemple, en Californie, aux États-Unis, on a analysé les données dans différentes régions pour transmettre le message ciblé dans différents endroits. L'un des éléments dont nous sommes fiers, c'est que nos cartes de prévention de maladies montrent l'agrégation, donc pour voir où les gens se déplacent, où les gens voyagent. Donc, dans une région, les gens utilisent un portail d'une autre région. Cela nous permet aussi d'éliminer les endroits où nous risquons d'avoir de nouveaux cas identifiés. Nous pouvons donc aider les épidémiologistes pour que la maladie ne se divulgue pas trop. Et cela nous permettra aussi de répondre mieux là où le soutien est nécessaire. Donc, ces cartographies, ces tendances à se déplacer, tout cela est visible et cela peut servir aussi là où
les différentes populations changent leur mobilité. L'une des choses importantes, c'est que Data for Good utilise les données protégées partage ces données protégées avec leurs partenaires qui sont impliqués, mais ces partenaires n'ont accès qu'à des données agrégées, donc ils n'ont pas accès à des informations individuelles, personnelles. Donc, par exemple, pour savoir si quelqu'un, si vous voulez savoir si quelqu'un peut effacer telle ou autre information, donc ce n'est pas possible parce que ce n'est pas possible au niveau de données personnelles. Donc, si nous parlons de données publiques ou lorsque nous avons des partenaires et des experts, la clé, c'est toujours que ces données sont en la forme agrégée, ce qui protège la vie privée. Et aussi, nous avons des données spatiales, ce qui veut dire que les recueils de données sont conçus de manière à ce qu'on puisse les désagréger, mais sans quand même identifier les gens, les personnes concrètes. Ces données permettent aussi de protéger les données, les informations qui sont protégées. Donc, on assure ici la protection complète. La vie privée est complètement garantie. On ne peut pas donc identifier l'utilisateur concret. La dernière chose qui est très importante et que je voudrais mentionner ici, c'est que nous parlons ici de cet accord, de cette autorisation bénévole suite à la, bon, en tant que réaction à COVID-19. Donc, les données qui sont utilisées par Data for Good, les données de localisation sont exactement les mêmes que celles qui permettent de montrer les données sur Facebook. Donc, ce sont les gens qui décident. C'est uniquement lorsque l'utilisateur a voulu partager ces informations que ces données seront accessibles pour les autres, pour identifier les données. Donc, cela permet aux chercheurs d'utiliser les données uniquement lorsque ces données ont été agrégées. Et là, nous savons que la vie privée et l'identité des gens sont protégées. Nous les faisons pour. Voilà. Merci Robin. La question suivante de la part de Clayton Harrington à Carmela. Il y a eu un grand débat en Europe sur l'impact potentiel sur la vie privée et les droits de l'homme vu au contenu numérique et autres données numériques. Et donc, partant de quelque chose qui est général vers les détails, le plus grand problème lié aux technologies soulevé par tout le monde, c'est justement les choses liées à la sécurité. Vous avez mentionné l'utilisation inappropriée des données qui pourraient constituer une menace directe à la vie privée. Merci, Clayton. Oui, quels sont les doutes? Il y en a beaucoup, on en a déjà parlé, mais bon, l'observation, la suivi, le potentiel de la collecte de données, ici on parle de la géolocalisation, bien sûr, parce qu'on a par moyen la possibilité de suivre les gens de manière très détaillée, et ces genres de données peuvent être utilisés à des fins très différentes, en partant par des bonnes causes pour que ces données pourraient être utilisées, en suivant par le suivi des personnes, suivi de leur vie privée. Si ces données sont utilisées par les personnes non compétentes, par exemple les hackers ou bien les gouvernements qui ont pour but de profiter de ces données pour assurer le contrôle de la population. Que nous prenons les décisions sur l'utilisation de ces applications, nous en tenons compte. C'est pour cela que nous avons une approche très conservatrice pour garantir qu'il n'y ait pas d'entité qui prendrait de décisions
erronée quant à l'accès de ces données. Si quelqu'un est décisif, il peut prendre toujours des décisions. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'exceptions juridiques concernant l'utilisation et l'exploitation des données qui peuvent être utilisées pour un but différent pour lequel elles ont été désignées. C'est pour cela que nous avons eu pour objectif de trouver la manière qui nous permettrait d'éviter ce genre de menaces. C'est pour cela ce qui est très important pour nous, et c'est mon message principal, c'est que nous pouvons construire ce genre de solution. Il y a beaucoup de technologies de pointe, de personnes qui peuvent penser de cette manière-là, qui peuvent le faire. C'est très difficile, vu le fait qu'il faut changer notre manière de penser, le type de formation qu'on décerne aux ingénieurs. Tout ceci doit changer parce que l'on a affaire à des données sensibles. Et donc, ça, c'est ça la méthode qui nous permettrait d'éliminer tout genre de menace à la vie privée. Mais ce qui est une menace plus importante, ce n'est pas la menace des personnes privées, mais la menace de toutes les sociétés. Les mouvements des sociétés qui peuvent être contrôlés, on arrive à le contrôler, on arrive à avoir un impact. Par exemple, Cambridge Analytica, c'est un bon exemple parce qu'ils ont collecté des informations qui concernaient des sentiments globaux au niveau des populations. Donc, il ne faut pas penser seulement au niveau des personnes privées, leur vie privée, mais aussi savoir que si l'on collecte des données, elles peuvent avoir un impact sur le contrôle des populations si elles sont utilisées de façon incorrecte. Merci, Carmela. Maintenant, en étant ma position de modérateur, je voudrais souligner le fait qu'il y a un grand dommage à la vie qui pourrait être apporté par les données. Maintenant, la dernière partie de notre réunion, notre intervenant suivant, notre question suivante. Ma question est la suivante. C'est lié à l'alerte liée à l'exposition à la menace. À quel point ce genre de solutions peuvent-elles être appliquées dans la loi à travers la réglementation? Ce genre d'applications sont un vrai défi pour nous. Et merci pour cette question. Il me semble que ce dont on parle est un autre exemple de coopération entre le secteur privé et public, parce que grâce à cela, nous pouvons assurer aux utilisateurs des outils très importants pour gérer la situation à laquelle nous avons maintenant affaire, mais aussi il faut prendre en compte les besoins des parties prenantes. Le gouvernement à Uruguay a été vraiment préoccupé par la vie privée, la préservation et la protection de la vie privée. Il est très important de documenter de façon très détaillée la responsabilité, les obligations des parties concernées pour garantir la continuité juridique des applications et des solutions appliquées. En ce qui concerne la protection des données, l'engagement de l'organe compétent de la des données s'est fait en amont, avant l'introduction de cette fonctionnalité dans l'application. L'on a pu en amont évaluer tous les systèmes d'alerte et adapter toutes les exigences de sécurité, assurer la transparence du système. Nous avons adopté une approche basée sur ce genre d'action. Donc, l'inspecteur de la protection des données, par la suite, a dû adapter les actions à des spécifications, c'est-à-dire que les informations sont annulées une fois la pandémie termine. Parce que ces outils sont utilisés seulement à un propre fin, c'est-à-dire un seul fin, c'est-à-dire la pandémie. Lorsque la pandémie se termine, l'application doit éliminer ces données. C'est les questions clés à prendre en considération. Maintenant, en ce qui concerne ce genre d'informations, elles sont accessibles à des fins procédurales, mais aussi à d'autres fins et des actions de sensibilisation sont basés sur des rapports préparés par un groupe d'experts
Et c'est en se basant sur ces rapports-là que notre gouvernement a pris ses décisions. Ces rapports sont publics, sont sur Internet. Donc, c'est une question clé qui est liée justement à des décisions conscientes et à la responsabilité. Merci, merci à tous les participants. Je vois trois questions dans cette session questions-réponses. Je vais les poser maintenant à nos participants, à nos intervenants, et ils peuvent y répondre dans le même ordre qu'auparavant. Donc, les deux premières questions sont liées l'une à l'autre. La première a été posée directement à Carmela. Quelle est ton approche par rapport à l'application ? Est-ce que c'est lié justement à la préservation de la vie privée ? Donc, tu as parlé d'un genre de limitation de l'objectif de projet même. Et la deuxième question est liée au fait que lors de la pandémie, beaucoup de personnes ont été préoccupées du fait que les informations ont été divulguées dans le système e-governance. Surtout, on parle ici de pays à revenu bas. Il y a des préoccupations de ce genre. Ici, on parle de confiance, bien sûr. Comment la confiance par rapport au système se développe-t-elle plutôt dans des contextes différents? Bon, on va de plus en plus s'engager dans ce sujet-là, dans ce domaine, lors de la session suivante. Mais il y a encore une autre question. Oui, de la part de Venetia. Oui, excusez-moi, c'était une question. Comment garantir la complétude de l'information transmise dans le domaine du COVID-19, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'accès aux technologies de l'Internet, manque de tests, des résultats haussement négatifs de tests. Est-ce que ce sont des questions viables? Et la deuxième partie de la question concernait le mécanisme de gestion de données et quel impact ça pourrait avoir sur notre vie. Maintenant, veuillez répondre à la première question. Oui, la première personne, le premier intervenant. Oui, merci beaucoup. Maintenant, vous m'entendez? Oui, j'ai branché le micro. En ce qui concerne la complétude de données qui sont volontairement rapportées par les usagers, eh bien, ce manque de reporting, manque d'accessibilité, de disponibilité de la technologie ou information fausse, eh bien, beaucoup de nos travaux se concentrent sur ces aspects-là pour garantir la priorisation de la gestion des informations qui ne sont pas fausses, leur diffusion dans plusieurs pays pour que les gens savent comment se bien protéger, avoir des informations viables du point de vue médical. Mais à part cela, ce qui est très important, c'est important dans le contexte de la confiance partout dans le monde. L'élément de la confiance est une autre raison très importante pour laquelle nous donnons une grande priorité aux informations liées au COVID. On utilise seulement des données qui nous permettent de répondre à la pandémie de façon appropriée avec Data for Good. Nous savons que ce sont des données agrégées, désidentifiées. L'objectif est pour que les gens ne se préoccupent pas qu'il y ait enfreinte à leur vie privée. Il y a aussi d'autres questions qui apparaissent dans ce contexte. Ce qui est très important, c'est des données de localisation lorsque, bien sûr, il y a consentement de la part des citoyens pour donner ce genre de données. On peut le faire en changeant les modes de l'application. Cette solution nous permet de donner une information transparente sur ce qui se passe, peuvent donner les consentements ou non, et grâce à cela, de la confiance dans ce processus de collecte de données. Nous en sommes fiers que nous avons réussi à le faire. Merci. Merci, Robin. Maintenant, Gonzalo. En ce qui concerne la complétude de données transmises par les usagers, notre expérience, il résulte que le ministère de la Santé publique a joué un rôle très important et
système de santé, lui aussi, transmet des informations très claires là-dessus. Aussi, le département compétent du ministère de la Santé publique joue un rôle très important lui aussi. Et ce rôle est lié à la confirmation des informations qui apparaissent et transmettre de façon agrégée. Eh bien, la confiance. La confiance doit se faire construire dans le contexte de l'obligation de la part des gouvernements et des entreprises de veiller à la gestion des données. Oui, toute cette responsabilité est une partie intégrante de la confiance, mais il y a aussi d'autres règles à instaurer dans ce domaine en adaptant notre approche au respect des droits de l'homme. Merci beaucoup. Maintenant, Carmela. En répondant à la première question, est-ce que nous allons au-delà de la vie privée? Je pense que nous sommes conscients de ce concept-là. Souvent, c'est compris, entendu comme la protection de données, mais nous allons au-delà de cela parce que nous avons ce concept « privacy by design » qui est aussi entendu par les académiques, par les universitaires, de façon suivante, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un équilibre de force. En ce qui concerne la conscience, ce qui nous a beaucoup aidé pour obtenir l'acceptation publique, c'est l'ouverture du projet, le développement. Tout cela, c'est transparent, accessible, disponible au public. J'ai participé à plusieurs panels, débats pour rendre public toutes ces activités. Je n'y suis pas habituée, mais plusieurs fois, j'ai dû vraiment m'expliquer quelles sont les raisons de le faire. Mais je dois aussi dire que nous, aussi dans notre pays, nous sommes, il ne faut pas seulement se concentrer sur le fonctionnement des technologies, mais aussi se concentrer sur l'amélioration de thèmes de santé dans certains pays. Autrement, aucune technologie ne peut aider et être un remède à la situation. Ce n'est qu'un soutien pour le système de santé. Si les autres ne marchent pas bien, rien ne marche. Merci, Carmela. Ça a été une très bonne conclusion de la première partie de notre session de ce matin concernant la vie et les droits de l'homme et le débat sur la conscience et son importance et la conformité avec la loi, la transparence, l'accès à l'information. C'est important, mais aussi il s'agit de la protection de la vie privée et comment ces questions sont-elles liées les unes aux autres. Donc, l'approche concentrée sur les droits de l'homme de comprendre ces aspects-là. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de la session sur la technologie. Quel est son impact sur la perception? Donc, la première personne à prendre la parole, c'est Clayton Hamilton, qui est chef de la protection de la santé en Europe, qui est en charge du soutien et des innovations, du soutien à la santé et aussi la réforme dans 53 pays de la région, aussi pour accélérer les systèmes de santé inclusifs. Il assure le leadership dans le technologique pour assurer l'accessibilité de services de soins. Voilà, merci. Clayton, je te donne la parole. Merci de m'avoir introduite. Qu'est-ce que nous pouvons donc faire maintenant? Nous pouvons donc réfléchir quelles sont les opportunités, les possibilités liées aux technologies basées sur les données. Nous allons donc essayer d'utiliser les expériences que nous avons eues collectés dans 53 pays de la région européenne. Et l'une des expériences clés liées à COVID-19 était celle que nous avons le système de soins qui ne permettent pas d'avoir accès à des systèmes en temps réel. Même si les
pays développent leur système depuis des dizaines d'années, mais qui n'ont pas été préparés du tout à cette situation. Donc, nous avons cette mauvaise allocation, affectation de ressources par rapport aux actions entreprises lancées par le gouvernement. Et puis, le deuxième point, c'est que même si nous pouvons accéder à des données, nous ne pouvons pas vraiment agir sur la base des données qui sont fournies par ces données. Les analyses montrent que cette approche n'est pas toujours compréhensible, l'approche concernant la certification des données. Nous n'avons pas pu créer l'utilisation des données à ce niveau qui serait nécessaire pour que ça puisse servir à la gestion logistique ou à des actions menées au niveau du gouvernement. Pour ce qui concerne la perception liée au gouvernement et aux pratiques, il faut avouer que lorsque nous traduisons les expériences de COVID-19 en intelligence artificielle et apprentissage par machine, nous avons donc différents éléments qui paraissent critiques pour ce qui concerne la gestion des données et qui sont liés à certains aspects éthiques. Lorsque nous parlons de la mise en place de certaines solutions au niveau du pays, il est important d'avoir la gestion des données, mais il faut aussi utiliser bien et de façon pragmatique cela dans différents pays. Donc, la vie privée et aussi la neutralité des données. Le partenariat public-privé s'est vraiment renforcé par COVID-19. Cela nous a permis de comprendre mieux cette approche et cela nous a permis d'avoir accès à différentes solutions qui, lorsque nous n'avons pas agi correctement en mettant en place différentes actions au niveau de la santé publique. Nous comprenons aussi qu'à notre niveau, nous avons aussi la question législative et nous avons cette question de l'autorisation consciente. Nous avons eu des exemples où ce n'était pas tout à fait clair, c'était plutôt ambigu comment interpréter la législation. Cela a nous fait faire un pas en arrière. Parce qu'avant, il n'y avait pas de règles qui étaient nécessaires. Maintenant, il faut assurer leur homogénéité et leur cohésion dans différentes zones géographiques. Il est aussi important, lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage par machine, donc on ne peut pas s'arrêter au niveau de pays. Il faut aussi assurer des actions internationales pour pouvoir partager les données de façon transfrontalière, mais aussi pour pouvoir contribuer à l'apprentissage global et pour pouvoir utiliser les données au sens plus large pour résoudre certains problèmes. Il y a aussi une autre perspective qui concerne l'importance des différentes solutions, quel que soit leur niveau de sécurité, quel que soit leur niveau de développement. Nous avons eu des exemples où l'application de technologies numériques, c'était plutôt difficile d'assurer une bonne réponse. Cela veut dire qu'il faut réagir en bon temps, en temps opportun, et il faut que le gouvernement définisse le moment où il faut vraiment lancer certaines actions. Et à part cela, il y a aussi la question de la justesse, la légalité, ce qui a été mentionné au début. Donc, c'est important parce que nous pouvons aussi renforcer, contribuer aux inégalités. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau pour la technologie basée sur les données, c'est très lié, c'est fortement lié. Donc, il faut donc prendre en compte les éléments éthiques lorsque nous parlons du traitement des données, aussi pour la mise en place de systèmes. Nous ne voulons pas avoir la situation où le soin ne seront pas accessibles pour tout le monde. L'inégalité numérique peut se traduire de différentes manières. Donc, ça peut être l'absence d'accès aux soins ou, par exemple, l'absence de possibilité de s'identifier ou telle ou autre personne risque de ne pas avoir accès faute de cellulaire, faute d'appareil mobile.
ou bien de l'autre personne ne sait pas utiliser les technologies qui sont nécessaires pour pouvoir accéder au système. Il y a aussi le critère de coût qui aussi peut être important pour certaines personnes. Donc, il faut faire en sorte que ces solutions basées sur les données quand même ne soient pas limitées par ces critères comme coût ou autre. Il faut que ces solutions soient vraiment largement accessibles pour tout le monde. Donc, j'attends vos questions. Merci. Merci, Clayton. Et maintenant, je passe à Dr. Racha Abdullah, qui est professeur de journalisme et de mass media à l'université américaine à Caïr, en Égypte. Elle était aussi membre du groupe de consultants aux États-Unis. Elle est très active au niveau africain et aussi elle est auteure de différents articles. Elle a reçu différents prix pour l'activisme politique et le travail concernant le média sociétaux aussi pendant la révolution en Égypte. Docteur, je vous en prie, merci. Merci Gabriel pour cette introduction, pour m'avoir présenté. Merci de m'avoir invité à participer, c'est un grand plaisir. Bien sûr, c'est une situation sans précédent, celle que nous vivons actuellement, c'est la situation où nous apprenons de plus en plus chaque jour combien il est important. Quelle est l'importance des données, des informations et aussi la communication en ligne. Ce sont les moyens qui permettent de gérer les données, de voir aussi comment ces données peuvent impacter notre vie. C'est une situation qui, bien sûr, est importante parce que les informations provenant des données constituent la clé pour la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais c'est aussi lié à la question de la responsabilité parce que nous ne savons pas comment les données sont collectées, comment elles sont utilisées. Donc, ça crée un problème pour différentes personnes dans différentes parties du monde, comme chez moi. Donc, par exemple, nous n'avons pas beaucoup de données et la source de ces données, ce sont surtout les sources gouvernementales, comme par exemple le ministère de Santé qui transmet les données, les informations sur ce qu'il faut faire si quelqu'un est malade. Normalement, il n'est pas possible de vérifier ces données, ces informations d'une autre manière. Tout ce que nous recevons des sources gouvernementales doit donc être tout simplement accepté. Et cela veut dire que la population ne reçoit pas d'informations suffisantes et fiables. Il y a beaucoup de questions, mais pas beaucoup de réponses. Nous ne savons pas quelles données sont collectées par le gouvernement en utilisant le COVID, quelles sont les données qui sont collectées, les données qui n'ont pas été collectées avant, parce que nous savons que bien sûr, avant, ils collectaient des données, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? Est-ce que vraiment les données qu'ils collectent actuellement sont vraiment nécessaires pour lutter contre le COVID? Est-ce que ces données sont codifiées? Est-ce que ces données sont protégées d'une manière ou d'autre? Est-ce que ces données sont transmises aussi aux organes de poursuite? Et si c'est le cas, sur la base de quoi? Comment ensuite ces données sont stockées? Comment ces données sont utilisées? Et quand ce programme arrivera à leur fin? Espérons qu'au moment où la pandémie sera terminée, mais quand même, qu'est-ce qui va se passer avec ces données après? Et combien de temps ces données seront toujours utilisables par les personnes qui sont au gouvernement, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces données et comment savoir que le gouvernement ne va pas utiliser les données de façon illégale? En Afrique du Nord, il y avait différentes actions qui ont été lancées pour assurer le suivi des contacts. Il y a une application inofficielle du ministère de la Santé, donc, qui a normalement pour but d'assurer la sensibilisation de gens. Mais en fait, il n'y a qu'un seul
1% de la population qui utilise cette population, cette application, pardon. Et il y a beaucoup de fraude concernant cette application. Et cette application ne fonctionne pas bien, tout simplement. Il faudrait donc, par exemple, prévoir une application pour faire les copies des passeports ou de documents privés, mais même si on a cela, on ne sait pas quelle sera l'utilisation. La Tunisie a une application similaire qui collecte les numéros de téléphone, la localisation géographique et aussi la clause. Cette application a été créée par le ministère de la Santé. 1 million de personnes se joignent à cette application chaque semaine. Le Maroc aussi utilise une chose pareille, mais la politique qui accompagne ce type d'action le plus souvent n'est pas très claire et est assez vague. Comme je l'ai dit, il faut donc par exemple mettre le numéro de téléphone, les contacts, le numéro de passeport. Donc il y a l'accès à toute une variété de données. Donc la question qui se pose est pourquoi? Pourquoi fournir ces informations? Pourquoi ils veulent avoir le fichier qui concerne le média que j'utilise? Je voudrais savoir quelles sont les réponses à ces questions. Eux, ils veulent trop de données. En Afrique du Sud, l'application est meilleure parce que l'identité est anonymisée et l'utilisateur doit donner son accord. Si quelqu'un a le résultat positif du test, bien sûr, il doit transmettre cela, mais c'est tout. De l'autre côté, si nous prenons en compte les efforts faits pour lutter contre la pandémie, cela dépend aussi de la vitesse avec laquelle les informations sont partagées. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont une situation moins privilégiée. Il y a beaucoup de personnes comme ça en Afrique, mais aussi dans le monde arabe. L'Égypte a 60% le taux de pénétration de l'Internet. Ce n'est pas mauvais, mais pour le téléphone, c'est de 95 à 100%. Cela ne veut pas dire que chaque personne a un mobile, parce qu'il y a des personnes qui ont 2 ou 3 mobiles. Donc, cela veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui n'ont pas de mobile, donc qui ne sont pas visibles. Cela veut dire qu'il y a un pourcentage quand même de personnes qui ne savent pas lire et écrire, donc ils ne savent pas communiquer les choses. Pour être impliqué dans le système de la protection contre la pandémie. À mon avis, le gouvernement normalement doit transmettre ces informations à tous les citoyens, que cette personne soit capable de lire ou non. C'est la question de la vie et de la mort. Il y a donc beaucoup de questions qu'il faut poser, mais malheureusement, il y a plus de questions que de réponses qu'on peut fournir dans cette partie du monde. Je voudrais encore une fois mettre en relief ces éléments clés qui, à mon avis, devraient constituer la base de nos échanges. Donc, voilà les données, la responsabilité, l'utilisation de ces données. Et nous ne pouvons pas être moins vigilants. Nous devons veiller à la qualité des informations qui sont transmises, qui les utilise et comment. Merci. Merci, docteur. Et maintenant, je donne la parole à Amber Sinha, directeur exécutif pour la population et pour Internet en Inde, qui s'occupe de l'intelligence artificielle et des informations erronées. Il est membre du comité de pilotage pour les droits de systèmes par machine et de l'intelligence artificielle. Et il travaille aussi à l'université. Donc voilà, je vous donne la parole. Merci. Merci.
nous voyons que la pandémie a rendu nécessaire d'appliquer les solutions numériques, comme par exemple les applications de suivi des contacts, les données qui sont collectées de façon massive, mais il faut quand même attirer l'attention sur deux solutions qui aboutiront à la génération de ces données. C'est vraiment crucial pour pouvoir assurer la réponse à la pandémie. Ces solutions technologiques ont un impact négatif et malheureusement permettent de stigmatiser une partie de la population. Ces données, normalement, doivent nous aider à réagir mieux et plus rapidement à des risques liés à la pandémie. Il est facile d'abandonner sa vie privée lorsque nous parlons de la lutte contre la pandémie, mais dans nos tentatives que nous voyons, bien sûr, l'idée est que le gouvernement essaye de suivre les contacts, de suivre les déplacements, tout cela, mais quand même, le gouvernement ne peut pas oublier que le suivi électronique des contacts ne peut pas remplacer les actions manuelles, si je peux dire comme ça, suite à des solutions analogiques et non pas numériques. Dans le pays comme l'Inde, nous avons la pénétration d'Internet qui est plutôt limitée. Deuxièmement, si quelqu'un ne fait pas suffisamment de tests, alors comment on peut suivre les contacts ou utiliser d'autres solutions technologiques pour répondre aux dangers liés à la pandémie? Ce qui est le plus décevant, c'est que l'application ne fournira pas la réponse à tous les problèmes. Bien souvent, ce type de solution n'utilise pas toutes les possibilités technologiques qui soient possibles et accessibles. Dans la première partie, dans la première session, nous avons donc touché cette thématique en prenant en compte la question de la vie privée. Lorsque nous regardons les technologies qui sont accessibles, qui sont utilisées pour répondre aux dangers, bien souvent les aspects liés à la protection de la vie privée ne sont pas utilisés. Donc, par exemple, pour le suivi des contacts, bien souvent, beaucoup de personnes qui n'ont pas leur vie privée protégée, n'ont pas cette possibilité de le faire à travers cette application. Nous pouvons aussi transmettre les informations concernant une personne qui n'a rien à voir avec la maladie. C'est pourquoi cette anonymisation des données est tellement importante. Ce paquet de données doit être bien protégé. Et toutes ces informations sont nécessaires avant que la décision soit prise. Pendant les 18 derniers mois, nous avons préparé un cadre pour la conception de systèmes numériques. Pendant les 6 derniers mois, nous essayons d'adapter ces solutions pour utiliser les solutions numériques pour répondre à la COVID-19. Malheureusement, la personne qui parle est très mal entendue, donc c'est pourquoi il y a des problèmes de traduction. On entend très mal le monsieur. Nous menons des actions liées à l'utilisation de données, mais il faut quand même que ce soit l'organe législatif qui prendre la décision
suite à une discussion bien complète. Il y a aussi la question du cadre technologique. On parle ici de l'architecture nécessaire du côté des utilisateurs. Et le droit des utilisateurs risque d'être endommagé. Parfois, cet endommagement est nécessaire pour pouvoir utiliser les solutions technologiques. Il faut aussi faire des tests liés sur leurs risques. C'est lié aussi aux droits de l'homme. Donc, il faut prendre en compte le droit de l'homme lorsque nous pensons à utiliser certaines solutions technologiques. Tout cela est basé sur le potentiel lié à la limitation de l'utilisation de certaines technologies qui peuvent se servir des solutions qui leur sont accessibles. Nous utilisons ce cadre pour pouvoir aussi travailler avec notre partenaire. Pour pouvoir travailler, nous travaillons avec certains partenaires qui sont aussi actifs dans d'autres pays comme Mexique, Équateur, autres. Et nous voyons que l'utilisation des données qui ont été prévues, l'application des règles qui ont été prévues n'est pas très bonne, n'est pas très respectée. Donc, dans certains endroits, vraiment, ce n'est pas suffisant. Ce cadre qui a été créé, normalement, devrait aider à agir pour lutter contre la pandémie. Mais on n'entend pas, monsieur, maintenant. Et finalement, les systèmes technologiques peuvent aussi nous guider vers des réponses qui ont pour but d'assurer la protection de la vie privée. Les connaissances et le potentiel doivent être utilisés pour répondre. Merci. Merci. Nous nous rapprochons de la fin de la partie de la session. Nous allons avant de passer à la session questions-réponses, encore une question à Clayton. Non. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour Clayton, est-ce que tu peux nous donner de l'information sur les meilleures pratiques sur la gestion des données personnelles dans les solutions numériques telles que les applications du service de santé? Oui, bien sûr. Sur le chat, je vous ai aussi donné quelques réponses à cette question, mais je voudrais rajouter que ce que nos pays font dans le domaine de meilleures pratiques, ça peut être une idée largement. Comme ça a été dit, lorsque nous penchons sur l'architecture du système et l'accessibilité de la vie privée liée à l'accès de données, donc nous avons des garanties juridiques reconnues par des experts, et ce qui est très important, c'est que nous incluons la société civile dans ce processus des aspects qui sont très négligeables et très importants. Par exemple, la sensibilité des données et leur limitation, ce sont des questions aussi importantes et liées aussi à la sécurité des données. Nous parlons de tels exemples où lorsqu'il y a un moment de sécurité, de sécurisation des données, donc les problèmes liés à cela apparaissent. Lorsque, à part cela, nous repenchons sur les compromis le partage et non-partage des données, et en regardant cela d'une perspective éthique liée à la protection de la vie privée, lorsque nous voyons quel est le risque et les profits qui sont liés, vous avez dit vous-même que ce genre de protection de données ne sont pas vraiment toujours très utiles dans la prescription. Ce qui est d'autres questions pratiques, par exemple l'intégration de plusieurs silos de données dans un seul endroit, nous avons accès d'un seul point à ce genre de données. Ainsi, nous pouvons assurer une grande accessibilité de transparence de ce genre de données. Pas seulement ce qui est important, c'est d'avoir les consentements
part en ce qui concerne l'accès à ce genre de données de la part des gens qui travaillent dans le système de santé. Une autre question, c'est-à-dire que l'information doit être transmise par une personne ou quoi, ce qui est très simplifié, mais lorsque les politiques sont en place, ceci fait que dans ce type de système numérique, eh bien, les gens évitent de donner toujours la même information au gouvernement. Nous avons vraiment l'expérience vraiment que c'est un grand fardeau, il y a un grand risque que ces informations ne soient pas bien transmises. En ce qui concerne la clause de l'utilisation des données, donc, l'accès, le login, c'est la meilleure chose maintenant. Les attentes des gens sont telles que si quelqu'un a accès à ces données, il a ensuite information très claire qui a accès à ces données et pour quel objectif. Et ce qui est très important, c'est aussi de faire construire ce genre de ressources pour toute la population. Parce que c'est très important du point de vue aussi de l'accès du gouvernement à ce genre de données. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses liées au développement de systèmes, de développement du système national des informations sur la santé. En assurer la protection la plus adéquate. Maintenant, une autre question. Demandée à Racha. Oui, merci Racha. Merci de tes commentaires, de tes remarques préliminaires que tu as présentées, à quel point il est important d'avoir un accès aux informations appropriées. Peut-être que tu pourrais nous dire plus sur l'effet du COVID sur le comportement dans le contexte des libertés fondamentales, accès aux informations, liberté des médias. Quelles actions sont-elles entreprises qui pourraient être suivies par d'autres pays, repliquées dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a encore des mesures draconiennes d'autre part qui pourraient être appliquées, qui pourraient entamer des dommages? Quels groupes de personnes doivent être impliquées dans la gestion de l'information? Assurer la protection contre les effets négatifs de tout cela. Oui, merci beaucoup. Ce sont des questions très importantes. À vrai dire, je n'ai pas vu de grande différence en ce qui concerne ces aspects-là. Nous avons de gros problèmes de liberté de l'expression dans notre partie du monde. C'est ainsi que sont les choses se présentent. C'était là avant COVID. Dangereux ici, c'est qu'on collecte trop d'informations en ne sachant vraiment pas quelle en est la destination, où ces informations vont être transmises, qu'est-ce qui va se passer avec elles. Et je ne peux pas imaginer l'exemple de mesures trop drastiques liées à la gestion de la pandémie. Non, ça, pas d'exemple. Je pense qu'il s'agit ici de questions normales liées à la gestion de données. Ce ne sont pas des choses qui sont bonnes. Mais je ne suis pas maintenant capable de voir quelle est la différence entre des activités qui sont plus ou moins bonnes liées à la gestion de la pandémie. Bien sûr, il y a un potentiel de violation de la liberté. Il faut vraiment approcher cette question de façon très douce. Lorsqu'il y a un risque, une situation dangereuse, et cette situation dans laquelle nous nous retrouvons est dangereuse, lorsque nous avons le consentement potentiel des citoyens de façon consciente, on transfère une partie des informations qui les concernent dans leur consentement pour donner ces informations. Il faut le faire, il faut les convaincre qu'ils le fassent. Mais ce potentiel, lui, peut aussi causer des enfreintes à la liberté. Merci, Racha. Et la dernière question de Carmela à Amber. Amber, de ton intervention. Eh bien, ma question est liée à l'utilisation des technologies fondées sur les données. Nous avons dernièrement une partie de ces technologies ont évoqué des problèmes tels que la reconnaissance du visage. Est-ce que tu as vu des aspects négatifs? Ça peut être aussi lié à la question qu'on a déjà vue dans cette session de questions-réponses, c'est-à-dire que les données sur le COVID, ce ne sont pas des données normales, en fait. Donc, est-ce que, de ton expérience, tu pourrais nous dire
quelle est la meilleure façon d'éviter des pratiques erronées? Est-ce qu'on doit vraiment réinventer des technologies ou utiliser quelque chose qui est déjà existant? Merci. Merci, Carmelo. Sans doute, des pas différents peut-être peuvent être faits au niveau des ministères et des entités compétentes. C'est ce dont j'ai parlé lors de mon intervention. Créer une évaluation basée sur le risque. Se faire au niveau des institutions publiques, mais tu parles de la technologie telle que, par exemple, la reconnaissance du visage. Là, il faut aussi voir comment cette technologie a-t-elle été désignée, comment elle a été faite, quels ont été les problèmes liés à des technologies traditionnelles de suivi, par exemple, et comparer cela avec les nouvelles technologies-là qui ont servi à collecter, à sécuriser les données. Et donc, ces technologies, une fois rajoutées au groupe de données, peuvent être utilisées de façon discriminatoire, par exemple. Alors, ici, on parle de projet, mais en ce qui concerne la règle de proportionnalité, elle exige la chose suivante, c'est-à-dire lorsqu'on applique une solution spécifique, ça doit être une solution qui ne concerne pas le niveau le plus bas des droits. Ce sont des technologies qui sont vraiment nécessaires, mais il faut reformuler peut-être la question. Dans des circonstances spécifiques, eh bien, on peut protéger plus de droits et moins de discrimination. Telle devrait être l'approche à adopter. Donc, au niveau d'un projet de la conception de ces technologies, il faudrait faire une autre revue, en fait, une autre révision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amber. Maintenant, nous passons aux questions qui ont été posées par nos participants dans le cadre de la session questions-réponses. Donc, une minute à deux pour chaque intervenant s'il décide de répondre ou non à des questions posées. La première question, la question concernant la capacité à utiliser les technologies. Ce qui pose le plus de problèmes maintenant, c'est effectivement une grande fracture numérique. Est-ce que vous êtes d'accord que pour augmenter la confiance, il faut augmenter le rôle des organes publics chargés de la protection des données? Une autre question liée à la protection de données personnelles. Ah, je vois. Non, cette question est disparue. Comment devons-nous procéder à la rétention de données dans le monde? Un accord a été passé entre les États-Unis et l'Australie, deux grands États qui sont liés aussi par le TPA. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur le transfert de données transfrontalier? C'est une question très compliquée, n'est-ce pas? Une autre question. Vu qu'il peut y avoir des pays n'ayant pas encore de réglementation de protection de données, comment peut-on procéder à un audit approprié lors de la pandémie et après la pandémie quant à l'utilisation de données? Nous pouvons voir que les réglementations nationales peuvent être intéressantes, mais elles ne sont pas tout simplement entièrement appliquées. Nous ne savons pas comment les appliquer, dans quel contexte pour qu'elles soient utiles. Il y a encore une question. Dans IGF, nous consacrons beaucoup de temps aux meilleures pratiques, mais quelles sont les pires? Ça, c'est une bonne question. Maintenant, je voudrais demander à nos équipes de répondre à ces questions. Est-ce que nous avons encore du temps? Pas vraiment. Pas trop. Excusez-moi, commençons par Clayton.
Oui. Je vais donc répondre à la première question sur la gestion de données. Comment peut-on garantir, lorsqu'il n'y a pas de réglementation en vigueur, relative à la protection de données? Eh bien, on n'est pas capable de le faire tout courtement, parce qu'il faut qu'il y ait une base juridique qui régit la gestion de données dans chacun des pays. Ils doivent être réellement appliqués. Qu'est-ce qui peut se passer? Tous les offices de COVID-19, probablement une partie de données serait collectée. Il y aurait des points d'interrogation, par exemple, sur leur utilisation, sur la suivi de contacts liés à la protection de la santé, les contacts sociaux. Mais ce qui est très important, c'est que l'on échange de bonnes pratiques et de bonnes expériences avec d'autres pays de manière globale pour voir de bons exemples au niveau de l'Union européenne, mais aussi dans d'autres parties du monde où l'impact de la législation sur la protection de données est très positif. L'impact sur le contrôle, mais aussi quelque chose qui nous donne l'information sur des risques potentiels dont on a parlé lors de cette session. Donc, probablement, ce n'est pas la réponse à laquelle vous étiez attendu, parce qu'il faut être franc sur les questions de base. C'est que le système n'est pas stable, donc il faut faire tout de notre mieux pour engager nos gouvernements à bien utiliser ces données. Merci. Merci Clayton. Maintenant, Racha. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit par Clayton. Dans ma partie du monde, il n'y a même pas de législation relative à la protection de données, ou bien elle est très limitée. Donc, il n'y a aucune base. Même s'il y avait une telle législation, franchement, il n'y aurait aucune garantie si ces données ne pouvaient pas être utilisées de façon erronée. La chose que l'on peut faire maintenant en tant que communauté internationale et société civile, et en tant qu'organisation internationale, à commencer par l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé ou autres organisations, toutes ces organisations qui peuvent exercer de la pression internationale, c'est que toutes les données collectées, le minimum en fait de données soient collectées pour garantir le bon fonctionnement de cette gestion. Il faut toujours se poser d'ailleurs la question où ces données seront transmises, combien de temps seront-elles collectées et préservées. Peut-être qu'on n'aura jamais une réponse à cette question, mais il faut toujours continuer à la poser. Maintenant, Amber. Merci. Je vais essayer de répondre brièvement à cette question. Une question concernant le fait que beaucoup de pays n'avaient pas encore de législation relative à la protection de données. L'une des questions qui potentiellement peut apparaître, par exemple en Inde, il n'y a pas de ce genre de législation, mais nous avons le droit fondamental de la vie, à la vie privée, et souvent ce droit fondamental peut être utilisé dans ce domaine, appliqué dans ce domaine. Les citoyens doivent être protégés dans cette situation aussi contre les entités privées. Aussi, s'il n'y a pas de législation relative, il y a aussi d'autres types de législation qui pourraient nous assurer ce genre de protection. Surtout dans cette situation spécifique, quelle est la pandémie, parce que les technologies sont appliquées largement. Pour les pires pratiques, ça c'est une question très intéressante, parce qu'elle est liée à l'évaluation de liste du risque. Cette évaluation n'est pas vraiment faite au niveau satisfaisant, et c'est sur cela qu'il faudrait se pencher. On parle ici d'un scénario dystopique qui, lui, devrait aussi être pris en considération. Parce que si ce scénario se réalise, son impact peut être vraiment sérieux. Une autre question, la question sur l'utilisation erronée des données, c'est une question très difficile, parce que souvent, dans cette situation, on doit répondre aux questions en disant que les données sont un actif et que les États créent des silos de données. Alors, premièrement, il faut atteindre un certain niveau de convergence pour partager ces données
entre nous et voir quels seraient les avantages de leur utilisation. Une autre question. Eh bien, on a déjà répondu à toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Merci, Amber. On a obtenu des informations très intéressantes. Peut-être juste un récapitulatif bref de notre session. Robin, je vous donne la parole une dernière fois pour vous exprimer juste avant la fin de la session, 10 secondes par personne. Merci. Je vais parler brièvement. Je voudrais remercier encore une fois de me donner la possibilité de faire ma présentation devant vous lors de cette session. J'ai pu beaucoup apprendre en écoutant les autres intervenants et l'une des leçons les plus importantes à tirer de la pandémie de COVID sur le gouvernement, le secteur privé, l'importance de l'instauration des systèmes de la protection de la vie privée qui pourraient nous donner la possibilité d'obtenir des informations correctes selon lesquelles l'on pourrait agir de façon correcte au bien de nos citoyens, pour le bien de nos citoyens et aussi pour les personnes qui vivent dans les centres qui sont très affectés par l'infection. Le nombre d'infections de personnes infectées est très important, donc il faut que les données utilisées soient utilisées de la façon attendue par leurs utilisateurs et pour donner une bonne réponse à la situation pandémique. Merci beaucoup. C'est à moi maintenant, oui. Gabriella, oui. Merci. Moi aussi, juste brièvement, il faut savoir que ce qui est important, c'est l'importance de la vie privée des personnes, des individus. C'est un droit fondamental. Donc, par exemple, l'anonymisation de la sécurité des données, il faut respecter les droits qui sont liés dans la période de collecte. Genre de données. Donc, il faut aussi savoir raser les données du système une fois les données sont utilisées. Je voudrais aussi parler de l'importance des systèmes et des standards au niveau international, des standards uniques qui doivent être uniques parce que nous parlons d'une seule voix ici au niveau international. Merci beaucoup. Ça a été une session très intéressante. Juste à la fin, je voudrais dire que ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'on voit ce qu'on pourrait faire pour la protection des données, pour garantir que les données soient utilisées à de bonnes fins. J'ai entendu dire que c'est la seule chose qu'il faut utiliser, ces données-là. Non, peut-être qu'il y a d'autres méthodes. Il faut être reconstruire tout cela, la pandémie et les systèmes que nous avions auparavant, avant la pandémie, peut-être qu'il faut les faire remodeler, peut-être certaines choses ne sont qu'une excuse pour utiliser les données à des fins différentes que la gestion de la pandémie. Maintenant, la question suivante, oui, la transparence, la responsabilité des gouvernements. Nous sommes maintenant à nos débuts en ce qui concerne la compréhension des mécanismes nationaux de gestion des données. Nous avons beaucoup d'informations provenant de plusieurs pays. Mais maintenant, nous entrons dans la phase de l'éclairage et il faut faire tout pour bien traverser ce chemin et garantir à ce que la vie privée soit respectée. Racha, il me semble que, bon, Clayton, d'habitude, dit ce que je voudrais dire, donc je voudrais encore répéter une fois, l'accessibilité des données, la responsabilité, la transparence, ce sont les thèmes clés à prendre en considération. Merci, Amber. Ce que vous avez dit est très important. Il faut penser à tous ces scénarios qui nous permettent de faire de bons systèmes, parler de l'avenir et penser à l'avenir qui nous attend. Malheureusement, l'intervenant
ne parle pas au micro. Merci, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Moi aussi, je voudrais bien remercier tout le monde, remercier de cette réunion sur la gestion de données. Il y a de différentes règles qui sont très importantes pour nous, mais ce qui est très important, c'est qu'on apprenne les uns des autres. Dans le contexte du COVID, il faut qu'il y ait un récit commun qui nous permettrait de comprendre la situation dans laquelle nous pouvons. Nous allons introduire des technologies pour les questions qui se posent. C'est comment garder la vie privée en appliquant en même temps les nouvelles technologies, en regardant, parlant dans un contexte plus large. C'est qu'il y a des questions sur les environnements que l'on prend en compte. Quels sont les besoins des personnes concernées et à quel point la technologie aident-elles vraiment dans cette situation-là? Sont-elles un remède? Les droits de l'homme aussi permettent d'atteindre un équilibre dans toutes ces situations, comprendre nos structures et voir si nous avons sur place de bonnes structures. La technologie, ce n'est qu'un élément de ces structures. Si les technologies sont bien utilisées, mais ce qui est fondamental, c'est que si nous devrions, par exemple, appliquer une nouvelle technologie, il faudrait garantir une bonne gestion, un cadre de gestion. C'est la priorité qu'on voit, l'une des priorités qu'on voit dans le cadre de la gestion de COVID-19. Encore une fois, je voudrais remercier de votre participation. Vous avez été excellent. Merci, Marie, de nous avoir rassemblés lors de cette session. Merci beaucoup. Tak, oczywiście. Już to zrobiłam.